Good morning, allez, Iden, sur aujourd'hui le Lonishmat Avram Mordechai ben Yitzhak Befani, Lorléa Bat Beila, Armand Amram ben Sulika et Shalom ben Habiba. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le Sacrement de l'Éternel. Nous étions à Sakhati Avamot Perek Bet Mishnah Gemel Klalam Rubeyeva Makol Shei Isur Erva Locholetzet Velomitia Bemet. Isura, Isur Mitzvah, Ve Isur Knusha, Choletzet Velomitia Bemet. Achota shei yevimta choletzet omit yabemet. On traduit directement. Klal amru beyamama. Telle est la généralité qui a été dite, la règle qui a été dite dans le yiboum. Kol shei isur erva. Toute femme qui est interdite à cause des interdits d'inceste. C'est-à-dire qu'il y avait deux frères, Reuven et Shimon. Et Reuven était marié à une femme qui lui était permise à lui. Mais que face à Shimon, elle a un interdit d'inceste. Parce que c'est une proche parent de lui, de plusieurs manières, comme les 15 femmes qu'on a évoquées dans la première Mishnah. Bito, Badbito, Badmeno, Imo, là-bas, tous les cas qui ont été évoqués, quoi. Et donc, ça peut être ma fille, ça peut être la fille de Shimon qui s'est mariée avec Reuven, c'est permis. La petite fille de Shimon qui s'est mariée avec Reuven, ça peut être la mère de sa femme, ça peut être la sœur de sa femme. Ok, il y avait plusieurs comme ça, il y avait 15 cas. Donc, dans tous ces cas de figure, toutes les femmes-là qu'on a évoquées, Shimon, si elle entretient un rapport avec elle, c'est des interdits de karet, il y a des karets, il y a des de retranchement, et parfois même de mort à plus bet din. S'il y a un enfant qui va naître, ça va être un mamzer. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de kiddushin entre ces femmes-là. Et maintenant, son frère Reuven s'est marié avec elle, alors la Mishnah me donnait la généralité en me disant, tu sais, si c'est Isur Erva, si c'est une Erva, c'est une cas d'inceste, eh bien, lorsque Reuven va décéder, cette femme n'a pas besoin du tout de faire de ni iboum ni chalitza. Klal amru beyevama, telle est la généralité du iboum. Kol shei isur erva, toute femme qui a un rapport avec Shimon, un lien de parenté d'inceste, eh bien, lo chalitza de volum yevama, elle a besoin ni de faire le chalitza ni de faire le iboum. Par contre, si c'est isura, isur mitzvah, si elle interdit juste à cause d'un interdit de mitzvah, il y a plusieurs situations. Vous savez qu'à part les interdits d'inceste, il y a aussi toutes sortes de femmes qui sont interdites à se marier. Mais juste par un issour lave, ou par un issour assez, on les invoquera tous. On va prendre un exemple d'un mamzer, pourquoi pas. Imaginez par exemple, quelqu'un qui s'appelait Jacques, on va pas dire Yaakov pour quelqu'un qui allait salir Yaakov en disant qu'il a eu un enfant mamzer. Donc imaginez, il y avait Jacques, il a eu un premier fils qui s'appelait Reuven, avec sa femme. Puis un peu, pour ça, il a eu un petit écart, il est avec une femme mariée, et il a eu un autre enfant là-bas. D'accord? Qui s'appelait Kidor. Les mamzerim à l'époque, on les appelait Kidor. Kidor Tapochotem. Donc, et là, maintenant, il y a deux frères. Maintenant, vous réalisez bien qu'il y a deux frères maintenant qui ont un même père. Il y a Reuven et Kidor. Maintenant, Kidor, lui, il va grandir, il a pas le droit de se marier avec une femme normale. Il doit se marier qu'avec une. Soit avec une guillorette, c'est permis. Où il peut se marier avec une mamzerette. Il doit chercher dans. Il doit trouver un chatran qui s'occupe de mamzerim, quoi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, donc, réellement, il a trouvé lui aussi une mamzerette à sa pointure. Ils sont mariés tous les deux ensemble. Et après, Shimon décède sans enfant. Alors, en théorie, Reuven, il a la mitzvah de faire le yiboum avec sa belle-sœur, Kidorit. Seulement, le problème, c'est que Kidorit, elle est mamzeret. Reuven n'a pas le droit de se marier avec une mamzer. Il n'a pas le droit de se marier avec un mamzer. Il est sur lave. Il n'a pas le droit de se marier avec Hachem. Juste Bika Hachem. Donc, elle n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret. Alors, ça s'appelle un issur mitzvah. Il y a des mitzvot de la Torah, des interdits explicites de la Torah qui m'interdit de se marier avec sa femme. Cependant, ce n'est pas un interdit d'inceste. S'il se marie avec elle, il transgresse un interdit de lave. Mais c'est lui donner Kiddushin. Elle va être mariée, cette femme-là. Les enfants qui vont naître, ils auront un statut de mamzer. On va pas trop compliquer. Mais en tout cas, s'il se marie avec elle, cette femme, ça devient sa femme. Si je donne des kiddushin à ma soeur, elle ne va pas être mariée avec moi. Parce que tout ce qui est chayvé écrit tout, il n'y a pas de kiddushin tosin. Mais ce qui est chayvé la vigne, c'est aux fesses. D'accord? Ça marche. Si on s'est marié, on n'a pas le droit de le faire. Il y a la même situation avec des familles de Kohanim. Ça peut être beaucoup plus fréquent et beaucoup plus compliqué, en fait. Il avait un frère, un Kohen, bien, de chez nous, parfaitement, bonne famille. Et un autre frère qui était un halal. Ouais, le père qui s'est marié avec une femme qui est une divorcée. L'enfant qui va naître, à part le père, il avait deux femmes. Un Kohen, il avait deux femmes.
une femme normale et une femme divorcée. Un Kohen d'abord qui se marie avec une divorcée. Oh, je vais compliquer l'histoire pour rien, on a qu'à prendre un cas plus simple. Il y a deux frères Kohanim, beaucoup plus simple. Deux frères Kohanim, un Kohen, il a transgressé l'interdit de se marier avec une femme divorcée. Ouais, maintenant il n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée. Alors, lorsqu'il va décéder, son frère, maintenant, il a un interdit de lave, avec un interdit explicite de la Torah de se marier avec elle. Maintenant, malgré tout, s'il va se marier avec elle, ça devient sa femme. La Mishnah me dit, ça s'appelle un Issur Mitzvah. Oui, encore, Issur Mitzvah, c'est des interdits Midrabanan, on évoquera longuement dans la prochaine Mishnah Yot, c'est quoi ces interdits de Rabanan, que premièrement, on décrétait toutes, une deuxième rangée de femmes, de liens de parenté, qui sont permis selon la Torah, que premièrement, on interdit. Dans toutes ces situations-là, si le frère, il décède, et maintenant, il y a cette femme qui va tomber, qui va venir, qui est préposée, oui, boum, chez son frère, eh bien, il fera la chalitza, mais il ne fera pas le hiboum, parce qu'il a un interdit de se marier avec elle. Ça veut dire, donc on parle en fait, en deux mots, on parle avec toutes sortes de femmes, qu'il y a un interdit de se marier avec elle, mais ce n'est pas un interdit violent au point où, si tu te maries avec elle, ça ne devient pas ta femme. Si tu donnes des kiddushin à ta mère, à ta soeur, à ta fille, ce n'est pas ta femme. Mais si tu donnes des kiddushin à une femme qui est juste un issur lave, ça devient ta femme. Tu n'as pas le droit de rester avec elle. Il faut la divorcer. Mais en tout cas, il faut la divorcer, il faut lui donner un guet. D'accord? Donc, dans tous ces sujets-là, si tu as une femme mariée, s'il a une femme mariée qui veut le tomber en hiboum, il devra quand même faire la mitzvah de Khalitsa, mais il ne fera pas la mitzvah de hiboum. Ok? Autre cas maintenant, Achota Shei Evimta, Cholet Satomitia Bemet. Là, on reparle. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. En fait, on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement dans le Perek Gimel. Donc, je vous jette déjà la situation avec la complexité, et on va expliquer ensuite comment ça se passe. Imaginez qu'il y avait deux frères qui étaient mariés avec deux sœurs, Réhouven et Shimon qui étaient mariés à Rachel et Léa. D'accord, ça va être l'exemple typique, Rech, Réhouven et Rachel, et Shimon, le deuxième avec Léa, c'est pas... D'accord. Réhouven et Shimon qui étaient mariés avec Rachel et Léa, et à part ça, ils ont un troisième frère, Lévi. Ok? Maintenant, de manière générale, alors, si Réhouven et Shimon, les deux décèdent en même temps, alors là, il y a un vrai problème. Parce qu'il se retrouve, on ne va pas débattre ça longuement dans le Perek Gimel, d'accord? Mais vraiment, je jette l'idée. Il se retrouve maintenant, Réhouven et Shimon sont tous les deux morts ensemble, dans un même accident de voiture, et Rachel et Léa, elles sont toutes les deux préposées au hiboum. En théorie, Lévi a le droit de se marier, il a le droit de prendre la première en hiboum, ou de prendre la deuxième en hiboum. Il peut en prendre une. Le problème, c'est qu'une fois qu'il aura marié une, la deuxième, ça devient la femme de sa sœur. Donc dans une situation pareille, on apprendra qu'il faudra faire la chalitza et pas le hiboum. Sur ça, la Mishnah vient me dire, mais si malgré tout, cette même Rachel, elle est à part ça, en plus, elle a un autre lien de parenté avec Lévi, tandis que sa sœur, Léa, n'a pas le même lien de parenté. C'est un peu plus compliqué pour résoudre le cas. Vous pouvez trouver des cas de situation de frères et sœurs, avec tantôt des frères de père ou des frères de mère. Et là, dans ce cas-là, on se trouve à la situation facilement. C'est-à-dire que Rachel et Léa, ce sont deux sœurs de mère, par exemple, et que, à part ça, Rachel, elle a une autre sœur de père, qui n'est pas la sœur de Léa, qui est déjà mariée avec Lévi. Donc maintenant, les deux, maintenant, vont se retrouver en hiboum en même temps, sauf que, une, elle est interdite à cause de Herva, c'est une inceste, pour un lien de parenté qui est interdit à Lévi de le faire le hiboum, et bien la deuxième, elle pourra faire le hiboum ou la chalitza. C'est ce que la Mishnah m'a dit en cette petite phrase. Achota Shei Evimta. Si toutefois, par rapport à la Erva qu'on a évoquée, si elle a une sœur qui est elle aussi une Yevama en même temps qu'elle, eh bien la sœur, elle a le droit de faire la Khalitsa et le Hiboum. Alors qu'en temps normal, tu es obligé de faire la Khalitsa et pas le Hiboum parce que tu as deux sœurs qui sont devant toi. Mais s'il y a une des deux sœurs qui est interdite à toi parce que c'est aussi ton. Elle est un lien de parenté d'inceste, eh bien la deuxième, tu pourras faire même le Hiboum si tu veux, d'accord? On découvrira ça bien plus longuement, mais dans la chaîne qu'on arrivera dans le Perek Gimel. Pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha.